Bueno, agradecerles a ustedes por estar acá, agradecerle a Claire por haber venido. A veces pasa en los festivales con el trabajo de programador que uno se ve, no sé si es obligado a la palabra, pero se ve en situaciones que tiene que hablar con directores, con actores, con gente que uno no conoce y puede apreciar, pero no admira. Y en mi caso, a Claire Denis la admiro realmente mucho. Muchas gracias, Marcello. Merci beaucoup, Marcello. J'apprécie énormément cette invitation à Mar del Plata et pour cette rétrospective. Je suis épouvantée et je déteste l'idée que ça s'appelle une masterclass. Et il y a un mot, il y a quelqu'un ici, il y a deux personnes ici, Flavia et Quintin, qui savent qu'il y a peut-être 12 ans, j'ai juré sur l'honneur à Festival de Busan, que jamais je dirais merci, je suis honorée d'être ici. Mais je suis très heureuse. Par exemple, je voudrais lui dire que je trouve tellement génial d'avoir pu voir hier soir le film de Flavia, pas seulement parce que c'est une amie, mais aussi parce que c'est un film que peut-être certains festivals auraient refusé et qui, pour moi, c'est un point très important du cinéma, est un film qui fait penser au cinéma. On dit les films fragiles, mais les films fragiles, souvent, ils sont très, très durs, très, très solides. Souvent, on m'a dit à moi, attention, ne faites pas des films trop fragiles. Et je trouve ça terriblement humiliant et un peu idiot aussi. Un film, j'ai été il y a très longtemps une grande, je suis encore une grande admiratrice des films de Jacques Rivette et j'ai aussi eu la chance de travailler avec lui et j'ai fait aussi un film documentaire sur Jacques Rivette avec un compagnon de travail qui était je crois un des plus grands critiques de cinéma français qui s'appelait Serge Danet. C'était l'intelligence et la réflexion toujours en mouvement sans aucun prestige, juste dans la matière même et un humour terrible. Et à la fin de sa vie, il était journaliste au journal Libération. Il n'est pas mort de vieillesse, hein, il est mort du sida. Et il préférait faire des commentaires sur les matchs de tennis que sur les films. Bon, ça c'était une petite parenthèse. Jacques Rivette, donc, disait, et là je vais rejoindre les films fragiles. D'abord lui, il disait qu'il y avait les films malheureux et les films heureux. Il parlait de son point de vue à lui. C'était ça qui était important pour lui. Quand on lui parlait d'un film, il disait « Ah non, pas, ne parle pas de ce film, c'est un film trop malheureux. » Et Jacques Rivette avait une façon de parler du cinéma qui me donne envie, au lieu de faire semblant d'être un professeur de cinéma, de vous en parler. Il disait ce qui est important dans un film, c'est que quand on regarde une scène ou un plan, on ne peut pas deviner quel est le plan ou la scène qui vient après. C'est la règle du cinéma. Si on peut deviner ce qui vient après, l'attraction du film disparaît. Le suspense. Et alors je dirais que je pensais que le film de Flavia
quelqu'un hier avait cette, exactement cette qualité-là, même peut-être à 100%, quoi. Je crois que les films qu'on peut aimer ensemble, nous, les amis, moi, ou Marcello, sans doute, les films d'invités, c'est des films qui ne disent pas 100 fois la fin du film. Non, ils laissent le film raconter son destin. Et pour parler de Jacques Rivette une dernière fois, dans le petit, dans le documentaire que j'ai fait sur lui, Serge Danel lui disait, mais enfin Jacques, parce que Jacques Rivette était célèbre pour écrire les scénarios le soir, les scènes le soir pour le lendemain. Et alors Serge Danel lui dit, mais quand même Jacques, qu'est-ce que tu penses, comment tu réfléchis au plot? Et Jacques dit, mais c'est horrible le plot. Parce que plot, ça vient, c'est comme le mot français, complot. C'est le même mot. Alors, si c'est ça qu'il faut faire pour faire des films, non merci. Par contre, il y a un mot français pas mal, c'est pelote. Pelote, c'est la bobine de laine pour tricoter. On tire le fil et ça s'appelle une pelote. Il disait, moi je veux bien parler de ma pelote. Voilà, ça c'était pour parler un petit peu de je ne suis pas Jacques Rivette, je ne travaille pas du tout comme lui, mais je pense qu'aujourd'hui, que finalement le plot est devenu presque l'argument financièrement principal, presque plus que les acteurs ou les metteurs en scène. Je pense que c'est bien de réfléchir que si ça devient un complot, une prison, c'est quand même un peu dommage. Non, souvent, je pense que l'idée d'un film, c'est pas justement de construire un plot. Ce qui fait qu'un film va tout d'un soudain devenir solide en moi, je vais croire que c'est un projet solide, c'est peut-être une scène. Une scène, souvent, je ne revois pas beaucoup mes films, mais si je revois mes films, je connais la scène initiale. Parfois elle est à la fin, parfois elle est au milieu. Et à chaque fois, je retrouve ce sentiment électrique où je me suis dit, ah oui, cette scène-là, oui, je vais, il faut la tourner. Absolument. Donc, maintenant, il faut faire un film pour cette scène-là. Parfois, par exemple, si je prends le cas d'un metteur en scène sud-coréen dont le film passe aujourd'hui, Aung San Suu, lui me dit toujours, moi, pour faire un film, il faut que j'ai une forme dans la tête. J'ai pas besoin d'un... Après, je vais écrire un scénario, mais il faut d'abord une forme. Et j'ai essayé de me poser la question de la forme, justement. Et évidemment, c'est pas du tout ma méthode de fonctionnement. Donc pour moi, si je cherche une forme, je me dis, mais est-ce que c'est un film rond ou un film carré? Je n'ai pas de solution avec la forme. Mais je crois que il faut une chose, une scène ou quelque chose que le film doit dire, dont on est vraiment certain, pour pouvoir commencer à
écrire un scénario et peut-être inventer un plot. Ce qui s'est passé, un hasard, c'est qu'en rentrant dans ma chambre d'hôtel il y a 2 jours, j'étais fatiguée avec le jet lag et j'ai allumé la télévision sur Inca TV et j'ai eu la chance de voir un film argentin qui est très célèbre ici en Argentine, mais moi, j'avais jamais entendu parler de ce film ni du metteur en scène. Le film s'appelle El romance de Aniceto y la Francesca. Alors, vous imaginez, je suis dans une chambre d'hôtel, devant un écran de télé, le son est horrible, très mauvais son. J'essaye de comprendre un peu les mots, mais la bande-son, comme c'est un film de ces années-là où on faisait de la post-synchronisation, parce qu'on n'avait pas l'argent de faire le son synchrone. Bon, c'est très fragile. Alors voilà, moi je regardais ces images en noir et blanc, avec le visage de cet acteur très impressionnant, très beau et très... C'est vraiment le type d'acteur que j'aime parce que c'est un acteur qui n'a aucun réflexe psychologique devant la caméra. Il est simplement à l'intérieur de lui-même, dans son désir d'une femme ou dans son désespoir. Mais il n'y a aucune tentative explicative dans son travail. Et ça rend l'acteur magnifique. Et moi, je ne savais rien du film. Ça aurait pu être un film qui aurait le tabou de Miguel Gomez, presque a l'air plus vieux, moins moderne que ce film-là, on pourrait dire. Je ne savais rien, mais le film était comme le rythme du film, les cadrages du film, la musique du tango, il y a 2 scènes de tango dans le film, sortait de la télévision comme du vrai cinéma. Et alors, à un moment, il y a cet homme qui est le héros du film, Aniceto, qui est pauvre, il n'a rien, mais il a un coq de combat. Deux fois dans le film, il a peur de perdre son coq, et il entend le cri du coq dans le lointain, et donc il va chercher son coq. Et 2 fois, il dit, j'ai bien entendu les mots, compadre. Alors je pourrais dire, compadre, un homme qui dit ça à son coq de combat, pour moi, ça peut résumer absolument tout ce que j'ai voulu faire dans le cinéma. J'ai fait un film avec un homme qui a un coq blanc et qui meurt avec son coq blanc. Et qui meurt pour son coq blanc. Je ne savais pas que ce film existait. Et j'avais l'impression qu'il y avait comme un message qui était envoyé, pas un message sur les coqs de combat, mais un message sur le cinéma. Le fait que ce qui est important, c'est que le metteur en scène a cru que cet homme que ce personnage allait penser à un moment qu'il avait tout perdu dans la vie, sauf son compagnon, compadre, qui est un animal. Moi, chaque fois que je fais un film, j'ai besoin de dire compadre au film, à
à mes compagnons de travail, aux acteurs. Si on me dit ici souvent, mais vous travaillez souvent avec les mêmes acteurs, souvent avec les mêmes techniciens, est-ce que c'est plus facile? Non, c'est pas plus facile. Pour moi, c'est une façon de me remettre toujours dans la situation où ils vont être mes compagnons pour ce film. Ça a l'air un petit peu naïf ce que je vous dis, mais je dis ça parce que, en fait, pour moi, c'est vraiment très, très profond à un moment où tout le monde pense que, avec le digital, le cinéma va changer beaucoup, il change déjà, et que ça sera plus facile de faire des films. Je pense que quand même, il y a quelque chose qui est très important, c'est ce sentiment qui va animer le film. Le scénario, il faut l'écrire, le plot, il faut l'inventer, mais trouver le cœur qui bat, ça, voilà, c'est ça qui va faire que le film vaut la peine d'être fait, même avec peu d'argent. Mm-hmm. Moi, on me dit souvent, mais toi, Claire, tu n'as pas de scénario, tu n'écris pas de scénario, tu tournes comme ça, en improvisant. Mais déjà, d'abord, c'est pas vrai, j'aurais trop peur de faire un film sans scénario, en improvisant, ou comme Jacques Rivette, en écrivant tous les jours. Mais surtout, aujourd'hui, ça serait très cher de tourner comme ça. Je crois qu'il faudrait un budget énorme. Même déjà aujourd'hui, ceux qui font des films ici savent bien que tourner dans l'ordre chronologique, c'est déjà un luxe. Je veux dire que, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un scénario? C'est justement une façon de construire le rapport qu'on va avoir avec le film. C'est la façon de comprendre quand on écrit une scène, parce que c'est difficile de l'écrire, que peut-être c'est difficile de l'écrire parce qu'au fond, cette scène-là va devoir devenir un plan séquence. Et donc, ça fait peur un petit peu. Ou alors, une scène ne trouve pas son rythme. Parfois, il suffit d'un mot, changer un mot pour un autre, et tout d'un coup, le simple fait de chercher à écrire bien, avec des mots, le choix des mots, c'est très très important. On croit que le scénario, c'est juste construire un récit, une narration. Non, 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 non. Les mots du scénario aussi doivent inspirer le film. Et ils doivent aussi dire, un mot peut dire aussi quelque chose qui est la focale. Est-ce que c'est une focale très longue ou est-ce que c'est une focale très courte? C'est quand une scène est finie, je sais si c'est possible de dire elle est finie parce que je me dis oui, c'est une scène, c'est juste un gros plan ou c'est une. Je vois un peu, pas vraiment, mais je commence à voir la mise en scène dans l'écriture. Quand le scénario est fini, je lis le scénario avec Agnès Godard, la chef opératrice avec qui je travaille le plus souvent. Et alors je lui dis, tu vois, ce film finalement, il me semble qu'il est écrit au 50 mm et pas au 40. Ou par exemple, je lui dis, je pense que peut-être il faudra faire 2-3 plans très larges aux 24 mm, mais pas plus. Bon, je sais que les focales, ça change un peu avec les nouvelles caméras digitales, mais vous comprenez ce que je veux dire.
Souvent, alors, à la fin de la lecture du scénario, avec Agnès, on peut dire, oui, on choisit deux ou trois focales, mais jamais plus. Et c'est pas pour dire, ah, oh, qu'est-ce qu'on est bonne technicienne, qu'est-ce qu'on a du style, c'est génial d'être comme ça. Pas du tout, c'est juste le contraire. C'est une façon de se donner un défi, un contrat entre nous et le film. Et ça, ça aide beaucoup pendant le tournage. Parce que déjà, on a fait les choix principaux, avec les acteurs évidemment, et les lieux de tournage. Et donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est le film. Et je trouve que c'est un système qui... Pour moi, je pense que ça aide beaucoup de pas avoir, d'avoir déjà fait les choix avant. Ça aide aussi beaucoup à choisir les décors, les locations. Y los interiores también. Especialmente los interiores, parce que c'est le plus difficile con 100 mm. Il faut savoir ça. Hein. C'est pareil pour... quand on tourne dans un décor naturel, pas en studio, moi je tourne pas en studio, il faut aussi avoir éliminé peut-être certaines couleurs ou choisi certaines couleurs si le film est en couleur. Parce que du coup, tout le travail, la recherche des costumes, est-ce qu'il y a des arbres ou pas des arbres, etc. Est-ce que les rideaux sont rouges ou bleus? Tout ça va faire que tout d'un coup, au bout de 3 ou 4 jours de tournage, on peut dire le film, il sera peut-être mauvais, mais il existe tout seul, il existe déjà. Je me souviens d'une interview de Jean-Luc Godard il y a longtemps, quand il tournait le film Détective à Paris. Il avait dit à son équipe, il était très méchant avec son équipe sur ce film, et il avait dit à son équipe, mais c'est pas possible quand même, le matin tout le monde dit bonjour, un petit baiser, bonjour toi, bonjour toi, bonjour toi, et personne dit bonjour le film. Bon, c'est une blague à la Jean-Luc Godard, mais comme toujours, il y a quelque chose derrière qui parle du cinéma, qui veut dire en fait qu'un film, il prend forme aussi pendant le tournage, et à un moment, on est peut-être metteur en scène, mais le film a une autonomie. Et je sais toujours, il y a un moment, je sens toujours ce moment, où le film... me dit, ça tu peux pas le faire, ça tu dois le faire absolument. Et je comprends que c'est l'autonomie du film qui parle à ce moment-là. C'est pour ça, parfois, je prends des risques un peu fous de pas faire beaucoup, comme on dit en anglais, de coverage, et d'arriver au montage avec peu de matériel. Donc, c'est vrai que c'est risqué. En général, Nelly, la monteuse avec qui je travaille, ou Guy, le monteur aussi avec qui je travaille, sont un peu fâchés. Et moi, j'ai très peur. Mais ça donne une obligation de ne pas faire de compromis avec le film. Je suis obligée parce que j'ai pas couvert. Donc de toute façon, il y a un seul plan ou deux plans. Donc il n'y a pas d'autre solution. Mais il y a des films que j'aime beaucoup où je vois que, au contraire, le metteur en scène tient lui-même la caméra. Je pense à Mélancolia par exemple, et où il fait beaucoup beaucoup de plans. Je pense que son sentiment, son rapport privilégié avec le film,
c'est pas... Il est différent, c'est de, d'être lui-même le caméraman de son film. C'est ça son rapport privilégié. Je dis ça parce que il faut trouver sa relation avec le film. Donc peut-être c'est tenir la caméra soi-même, peut-être c'est faire peu de plans. Il faut trouver la relation risquée. Parce que dans un film, il faut toujours qu'il y ait du danger et du risque. S'il n'y a pas ce risque, je crois que c'est plus un film. C'est ce risque qui fait que l'enjeu du cinéma existe. Et je parle pas seulement pour moi, hein, je pense à d'autres metteurs en scène et je pense que je vois les risques qu'ils prennent dans leurs films. Parce que prendre un risque, c'est pas trouver son style. Trouver un style, c'est factice, c'est frivole. Mais prendre un risque, c'est un contrat très fort avec un film. Et peut-être la dernière chose que je peux dire, après peut-être vous me poserez des questions, c'est que souvent on me dit... Mais Claire, les ellipses dans vos films, vous les faites au montage ou à l'écriture? Et je pense que pour moi, le plaisir dangereux, le danger agréable, c'est d'écrire que les ellipses existent déjà dans le scénario. Qu'il manque... Quand on fait un mur, on met une brique sur une autre brique. Mais s'il n'y a pas de ciment entre, il y a un mouvement possible, un frémissement possible. Peut-être ça va bouger un peu. Possibilité de movimiento. C'est que comme il n'y a pas de ciment, il y a un petit tremblement. C'est fragile, justement. Okay. Voilà, je crois que j'ai un peu... Alors, bien sûr, non, je dois dire quand même que, bien sûr, il y a aussi, dans la salle de montage, des scènes que je trouve complètement ratées ou inutiles. Donc, il y a aussi des ellipses qui se font dans la salle de montage. Mais les vraies ellipses, la plupart du temps... Elles sont venues pendant l'écriture du scénario. Et avant que, si vous voulez me poser des questions, je voudrais dire que les acteurs avec qui j'aime travailler, Agnès Godard avec qui j'aime travailler, les musiciens, les Tindersticks, c'est des gens qui quand même fonctionnent un peu comme moi. J'ai l'impression qu'ils comprennent ce que j'ai envie de faire. Voilà. Por favor. Por favor. Si uno ve si estuvieron viendo las películas de ella, no dimos la primera, pero dimos una de sus primeras películas, estos conceptos que ella acaba de desarrollar y de contar, están muy presentes desde ya sus primeras películas. Y ella trabajó previamente como técnica de cine, como asistente de dirección y demás. Lo que me gustaría saber es justamente cuándo ella sabe que acepta como pertenecer a esa tradición y a estos conceptos de Danay, de Rivette, a esta idea del cine. Je n'ai pas eu une adolescence cinéphile parce que je ne vivais pas dans une grande ville où il y avait la cinémathèque et des cinémas. Donc j'ai découvert le cinéma, mais pas la cinéphilie tout de suite. Alors quand j'ai eu 17-18 ans et que j'ai commencé à aller voir des films presque tous les jours, j'ai découvert la cinéphilie, la critique de cinéma. Et j'ai découvert aussi le besoin de parler des films. C'est très important de parler des films, de dire pourquoi on aime un film, comment on aime un film, ou pourquoi
on décide que ce film-là, non, c'est pas possible. On le déteste parce qu'il ne peut pas être aimé. Et peut-être comme un enfant qui arrive trop tard à l'école, Jacques Rivette, qui était un des créateurs des vrais cahiers du cinéma, m'a choisi, m'a dit, toi tu vas faire des films, c'est toi qui vas faire le portrait, mon portrait. Il avait une sorte de manière chamanique de me faire rentrer dans la cinéphilie. Et avec Jacques Rivette, vraiment voir un film par jour, si on prépare un film pendant des mois, c'est le minimum. Souvent, c'est deux. Et l'important, c'est de parler du film après. Serge Danet, en fait, c'est son style. C'est comment il écrivait ses récits de voyage, les critiques de cinéma. C'était un écrivain qui savait tellement faire partager des choses très fortes et très sensuelles, sensibles, que avant même de comprendre que c'était un très grand critique de cinéma, c'était déjà son écriture qui m'a complètement fascinée. Par exemple, quand j'ai fait mon deuxième film, S'en fout la mort, en fait c'était le troisième parce que j'avais fait déjà un documentaire avant, mais quand j'ai fait S'en fout la mort, Serge était déjà malade, mais il est venu et on a parlé du film pendant toute une soirée. Et c'était l'année où le très beau livre de Eisenschitz est sorti sur Nicolas Ray. Et Serge Danet m'a dit, voilà, c'est ton deuxième film, maintenant tu dois choisir où tu veux faire du cinéma. Soit tu rentres dans le camp, dans l'équipe des Rio Bravo, avec Howard Hawks, et si tu filmes la tempête, tu la filmes dans un endroit sécurisé, un peu de loin, pour bien la voir et la comprendre. Ou alors, tu choisis le camp de Nicolas Ray, qui va mal finir, et pour filmer la tempête, tu te mets dedans la tempête. Et avec S'en fout la mort, il m'a dit, tu me montres que tu as choisi Nicolas Ray. Mais c'est très dangereux. La de Rio Bravo, c'est la mentalité, c'est la leçon de Howard Hawks. Mais je pense que Serge Danet voulait me dire, attention, le destin de Nicolas Ray est tragique. Donc fais attention à toi. C'est peut-être mieux si tu choisis le destin de Howard Hawks. Mais quand j'ai vu El Romance, le film argentin, j'ai pensé que non. J'ai choisi le destin plus tragique. Parce que je crois que quand on arrive au cinéma, on arrive avec les armes qu'on a ramassées dans son enfance, dans son adolescence. Et beaucoup, pour moi, venaient de la musique, de mon enfance en Afrique, c'est vrai, mais aussi de lire. J'aime lire, et particulièrement, je volais les livres de ma mère, qui était censé interdit pour moi parce que j'étais trop jeune. Et j'ai découvert Lumière d'août de William Faulkner. Je crois que j'étais encore une petite fille. Enfin, j'avais 12 ans peut-être. Et tout d'un coup, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui me... J'avais choisi déjà de penser que j'étais intéressée par les artistes qui croient
au destin. Me gustaría saber sobre la relación que existe entre Tindersticks y Stuart Staple con tus películas, porque realmente es una relación muy entrañable la banda sonora con tus películas. ¿Cómo comenzó eso y cómo es el proceso de elaboración? Si ellos leen antes el guión o después ven las imágenes y componen. Les Tindersticks avec leur premier disque et leur premier concert à Paris dans les années 90. Et quand leur deuxième album est sorti, il y avait une chanson qui s'appelait « My Sister ». J'étais à Marseille en train d'écrire le scénario de Nénette et Bonnie. Et je suis allée voir un concert de Stuart Staple et des Tindersticks et je lui ai dit, est-ce que je pourrais utiliser la chanson « My Sister » pour le film ? Et Stuart m'a dit, mais non, c'est complètement idiot, nous on n'a jamais fait de musique de film, on préfère faire la musique de tout le film. Donc ils sont venus à Marseille pour voir les décors. Ils sont venus pendant le tournage, ils ont lu le scénario, ils sont venus au montage. Je pense à un moment, ils habitaient à Londres, ils prenaient le train, ils étaient là toutes les semaines, tout le temps avec moi. C'était même étrange, presque surnaturel, quoi, cette implication des musiciens dans le film. Je me souviens, une fois, Stuart vient au montage et il me dit « Mais où est la scène des gâteaux ?» Alors, je lui dis « Oh, je l'ai coupée, c'est trop nul. » Il dit « Non, 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 c'est la plus belle musique qu'on a écrite. Donc tu vas remettre la scène tout de suite. » Pour nous, pour l'orchestre, c'est la meilleure scène. Il faut comprendre que Stuart et ses musiciens, ils viennent du nord de l'Angleterre, de Nottingham. Et quand il me parlait en anglais, je suis supposée parler et comprendre l'anglais, mais quand Stuart me parlait en anglais, je ne comprenais rien. Et quand l'accent était si fort, je ne comprenais rien. Et lui me disait qu'il ne comprenait rien à mon anglais parce que mon accent français était trop horrible. Mais on a fait 7 films ensemble. Et maintenant, il vit en France, il parle toujours pas du tout français, mais je me suis habituée à pas le comprendre. Je le regarde et je dis oui, 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 oh non, non. Et ça marche bien comme ça. Quel est l'auteur qui le gusta más? Un jour, je revois un film d'Ozu et je me dis oui, vraiment, c'est Ozu. Le plus grand cinéaste du monde. Et puis après, je vais voir un film qui a été fait l'année dernière. Je me souviens, le premier film de Lisandro Alonso, quand je l'ai vu, j'ai pensé, voilà, j'ai trouvé le metteur en scène qui va m'accompagner dans ma vie. Mais ça change, parce qu'il y a tellement de beaux films. Il y a quand même beaucoup de grands metteurs en scène. Je sais, je me souviens encore une fois d'avoir été au Festival de New York et d'avoir été un matin revoir une copie neuve du Monde de Apu, de Satyajit Ray, pas Nicolas Ray, Satyajit Ray. Et j'avais l'impression que j'étais... que j'avais vu le plus beau film de ma vie. Mais c'est pas vrai. Il y en a beaucoup des très beaux films. Et cette année, j'ai vu aussi des films formidables. Donc je peux pas dire faire une sorte de hit parade du cinéma. Moi, je sais pas faire. Mais j'ai répondu ça. Hein, j'ai répondu ça. J'ai dit... Souvent on dit quels sont vos 10 films préférés, mais c'est impossible. Tous les jours ça change.
Mais je n'aime pas que les metteurs en scène morts, hein. J'aime aussi les jeunes metteurs en scène vivants. Je ris parce que je pense que il y a tellement de films géniaux à voir quand on veut aimer le cinéma que c'est jamais fini. Je me souviens à Cannes, je vais à une projection de presse un matin très tôt voir un film qui s'appelle Uncle Bonnie de Happy Chapong, film thaïlandais, et je me dis oh, mais comment on peut faire un film aussi beau, comment c'est possible. Et deux jours après, ce film a eu la Palme d'Or, et je me dis mais comment c'est possible qu'un jury ait eu le courage et la force, et c'était Tim Burton le président, de dire voilà, ce film, c'est ça le cinéma. Pour moi, j'étais à l'aéroport de Nice et je pleurais comme un enfant. Non, j'en avais, mais pas un peu, hein, pas una, dos, lagrimas, non, un torrente, una... ¿Cuál fue la idea disparadora de Travel Every Day? Y nos comentando acá con los que la vimos, un poco hablábamos de ese amor caníbal del mantis religiosa, ¿no? Por un lado. Y por otra parte, hablando de esa escena que la electrifica en Travel Every Day, ¿cuál sería? Je crois ce qui était fort, le plus fort pour moi, c'est la scène où le couple d'Américains arrive dans l'hôtel à Paris et suit, il marche derrière, dans les couloirs, derrière la jeune femme de chambre. Et c'est comme si l'homme, interprété par Vincent Gallo, pouvait déjà respirer le parfum de cette chair fraîche. C'est ça, c'était la scène fondamentale. Quería preguntar, ¿por qué filma Claire Denis? ¿Cuál es la motivación que la lleva a hacer películas y no relacionarse con otro arte como la escritura, que ella empezó de alguna manera de ese lugar? O sea, ¿por qué filma, digamos? Je crois que il y a... Je parle pour moi, pas pour les autres cinéastes. Dans mon cas, je pense que c'est une forme de faiblesse. De faiblesse qui m'a fait aller vers le cinéma parce que je crois que c'était seulement au cinéma que j'étais une jeune fille qui pouvait un peu comprendre la vie. Et j'avais l'impression que seulement le cinéma pourrait m'aider à vivre. Et aussi, je pense que beaucoup de gens qui travaillent dans le cinéma n'ont pas eu le courage d'être écrivain comme moi. Il y a dans le cinéma une force attractive aussi parce que il faut un courage physique, mais il n'y a pas... Je pense qu'au début, au départ, à la source, à l'origine, le cinéma paraît plus facile et il attire peut-être plus les faibles comme moi. Yo quería hacerle una pregunta. El otro día acá en el festival dieron la película de los gallos de Reña. Yo imaginé venir acá y encontrar una mujer que entrara con botas allí, con anteojos oscuros, algo violenta, pero me encontré con una mujer muy cálida, muy dulce, una mujer que encuentro en cualquier calle de París. Yo lo que quiero saber es cuál es la mujer que dirige, la que dije primero o la que dije después. No, mais j'ai parlé du mot compadre, de la palabra compadre, parce que je crois que dans Son fou la mort, c'est un film dur, les combats de coqs, c'est violent. Mais je crois que c'est un film aussi où il y a ce mot compadre. Je crois qu'il existe dans ce film.
Donc, ce film, c'est moi vraiment, tout à fait moi. Quisiera preguntarle a Claire cómo se plantea el trabajo de dirección de actores con los actores en la escena, si ensaya mucho o no ensaya, y si parte de una consigna específica o si toma el guión a rajatabla. Oh, bien sûr, je donne forcément toujours le scénario aux comédiens et aux comédiennes. Je peux, même si je connais des metteurs en scène que j'aime bien, qui ne donnent pas les scénarios aux acteurs, moi, alors je ne peux pas du tout. C'est impossible pour moi. Je crois que pour moi, le critère maximum, c'est que ce soit quelqu'un qui me plaise. Quelqu'un qui est acteur ou amateur ou que j'ai trouvé dans la rue, mais avec qui je vais croire à tout. Quand je faisais le film J'ai pas sommeil, je trouvais pas le jeune homme caraïbéen antillais pour faire le tueur. 200, 300, c'était une folie, mais rien. Pasaron dos, tres años buscando al actor ideal non, para hacer esto. No, pas des années, hein, mais des années, ah, non, de 200 ou 300 acteurs. Mais dans la production, entre-temps, un homme qui s'occupe des enfants abandonnés m'avait écrit une lettre pour me dire qu'il y avait un jeune homme dont il s'était occupé, qui avait 18 ans, donc qui devait quitter, parce qu'en France, on est adulte à 18 ans, qui devait quitter sa protection, et il me demandait si je pouvais le prendre comme stagiaire sur le film. Richard est un garçon antillais, et il était très désagréable avec moi. Et je lui dis, mais pourquoi tu me parles mal comme ça ? Il me dit, parce que je suis là pour surveiller ton travail, parce que tu vas raconter l'histoire d'un tueur antillais. Je ne veux pas que tu dises des choses idiotes sur les Antillais. So, après, tous les acteurs, j'appelais Richard et je lui montrais les cassettes vidéo. Je lui disais non, ça ne va pas. Il me disait non, ça ne va pas. Et un jour, je lui dis, mais Richard, moi je crois que c'est toi l'acteur. Et le producteur me dit, mais Claire, vous êtes complètement folle, il n'est pas acteur. Pour jouer ce rôle-là, c'est impossible. Et Richard, il était un peu hésitant. Mais finalement, il m'a dit, oui, d'accord, parce que comme ça, au moins, je suis sûre que tu ne vas pas faire des conneries avec ce personnage. Je ne sais pas si vous avez vu le film, mais quand on voit Richard Courcette danser dans sa robe, dans ce club pour homosexuels, je trouve qu'il est tellement génial. C'est pas la direction d'acteur, c'est la rencontre. Et c'est pareil avec les acteurs professionnels aussi. Quand j'ai travaillé avec Isabelle Huppert, c'était le même choc, une rencontre nécessaire. Isabelle Huppert, Elle regarde les metteurs en scène et on n'a même pas besoin de la diriger parce qu'elle devine ce qu'on veut. C'est magique. Yo no vi el corto que se está presentando ahora porque se presenta ahora mismo, pero leí mucho al respecto y sé que la construcción del espacio es muy distinta a la de sus películas anteriores, algo abstracto. Quería saber a qué se debe esta elección del espacio. Non, il n'y a pas. C'est un film où j'ai voulu filmer le dialogue, seulement le dialogue. Et c'est un dialogue extrait d'un roman qui s'appelle Les Enfants, écrit par une écrivain français qui s'appelle Christine Angot. Et pour filmer les mots, j'avais besoin des acteurs, mais j'ai fait aucun décor. Ils sont sur un fond gris. Mais c'était aussi un film que j'ai fait dans une école d'art. On a tourné seulement 2 jours. C'était un travail très particulier.